Bonjour tout le monde, j'ai entendu Eric, il s'est levé plus tôt et sortir. Il y a quoi, il y a 5 minutes? Il est parti chercher des croissants. On va manger bébé chat. J'étais en train de faire ton café bébé. Et toi, t'es allé chercher des choses? Ah. Et t'avais même ton petit masque. C'est bien, bravo. Du pain et... Ah, t'as pris des bons chocolats. Avec toujours, avec une approche... Oui, non, mais comme en fait, tu considères que la boulangerie est à proximité, donc tu mets... Ah oui, c'est bien. Dans la boulangerie. Dans, oui, bien dans sûr. la rue. Vive le shampoing sec. Quelle horreur, regardez. J'en ai mis pour donner un peu de volume, on a l'impression que mes racines sont grises. J'ai beau frotter et tout, ça part pas. Bon, bref. J'ai mis ma robe parce que... les boutons étaient recousus, les deux boutons ici. J'aime bien. J'ai pas encore trouvé finalement avec quelles chaussures. Je pense, Eric a pas tort, je viens de lui montrer avec des Rangers. J'ai deux paires, j'ai serré, ça peut être sympa. Alors, comme je vous disais, j'étais en train de mettre du shampoing sec et là, je sais pas, ça m'a fait tilt dans la tête, un raisonnement qui est parti de très loin. Hein. J'étais là, je dis ouais, mais je peux pas me montrer comme ça. Avec ses racines, enfin en faisant le shampoing sec, ça fait blanc, bref. Et je me dis, mais en même temps, on s'en fout. Moi, j'ai décidé que mes vlogs et tout, c'était la vraie vie, du spontané. Je vais pas m'inventer une vie et ni un personnage parce que les réseaux sociaux, ça doit vendre du rêve et blablabla. Et là, je me suis dit, oh, fais ta vidéo. Et là, je vais faire une vidéo face cam. C'est un peu de l'impro. Je vais quand même poser les choses que j'ai envie de raconter. Au moment où vous voyez ce vlog, sera peut-être en ligne, c'est le genre de vidéo qui peut-être m'apporter des gens, enfin des critiques, mais je m'en fous, parce que c'est pas d'aujourd'hui, j'ai envie de la faire, il y en a un peu ras-le-bol. Voilà, donc je vais pas tarder, et sinon, ouais, j'ai essayé de faire un peu de volume, mais avec mon fer, hein, en faisant des petits trucs comme ça. Ça y est, j'ai terminé! Oh, franchement, je suis en gros toute, mais non, je vais la mettre. Je vais manger d'abord. J'ai mis ma robe de chambre et je vous donne un scoop. Vous voulez connaître un scoop? J'étais à deux doigts de créer ma marque de peignoir, vu que c'est ma tenue préférée. Une déclinaison. Le peignoir confinement, le peignoir un petit peu en satin, tellement de choses à faire. Donc, je suis en réflexion. Voilà. Je crois qu'il y a un petit chat qui est derrière moi. Je vais faire ça. C'est comme un tortilla. Je fais chauffer également une galette. Il en regarde. Hein. C'est trop bon. Avec les chants. Hop. Je vais faire ça aussi, même si je suis déçue. Je les aime pas du tout. Je pensais qu'il y avait que un filet de citron. Mais tu parles, il y a de la vinaigrette. Rien ne vaut les vrais. Avant, je les faisais. Il faudrait que je les faisais moi-même. Tu mets juste du citron et parfait, parce que alors là, c'est écœurant, je trouve. Très sérieusement, il est 6h03. J'ai terminé comme ça, sur le pouce. Ça fait combien? 5 heures que je suis sur le truc, la vidéo? Je suis fracassée. Donc j'ai vraiment fini à 6h moins 2. Et j'ai mis, toc, uploadé. Voilà, bon, on verra bien. Je voulais vous dire autre chose. Oui, très important. J'ai commencé depuis hier mon traitement. Migraine, donc pilule. Bon, on va voir. J'ai vraiment hâte de voir des petits résultats. On devait aller se promener. Oh, comme c'est dommage, il s'est mis à pleuvoir. Non, mais c'est bête ce que je fais parce que moi-même, j'avais envie de bouger. Je vous dis, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas marché. Et c'est dommage, quoi. D'autant plus qu'à côté, on mange, laisse tomber. Hier soir, ma fille était là. On s'est fait soirée McDo. Mais pas la soirée McDo genre lambda, c'est que tu prends la glace qui va derrière. Avant-hier, enfin je sais plus, il y avait un truc, bah, à l'anniversaire de ma fille, on avait mangé aussi. Et c'est bien de se faire plaisir, mais il faut à côté que tu fasses un peu d'activité quoi. On a un petit smoothie, fraise banane. Normalement c'est au retour du sport, mais j'ai besoin de glucose, je le sens. Je vous le conseille, c'est exceptionnel. Ma tenue préférée? De toute façon, vous l'aurez certainement vu, mais j'ai voulu une certaine cohérence concernant mes miniatures de vidéos.
C'est-à-dire que tout ce qui va être vlog, ça sera toujours la même miniature. J'en ai fait deux déjà comme ça, sur les angles, en bas, en haut, fond blanc et l'écriture. Comme ça, vous saurez. Il y a écrit vlog, c'est comme ça. Et quand c'est des face cam comme celle d'hier, sur la télé-réalité, eh ben c'est un montage différent. Voilà. Donc j'avais vraiment envie d'avoir une identité visuelle. Dites-moi d'ailleurs si bah, ça vous parle, si vous trouvez ça bien. Je sais pas ce qu'il a. Non, parce qu'il a eu à manger. Il a eu, mais bien comme il faut. Vous me redites, mais ça se trouve, il mange pas à sa faim. Mais si vous saviez, il mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, ce bébé. Voilà. Mais en fait, plus tu lui donnes, et plus il va réclamer. Mais non, faut pas, il a encore vraiment grossi. Qu'est-ce que j'aime à chaque fois? Ce petit coin. Il est quand même réussi, hein. Mais arrête, tu me fais bouger la caméra! J'adore. Et dire que c'est moi qui ai fait ce taboulé. Mais non, c'est tabouret. Il me donne des coups. Et du coup, il fait bouger la perche. Donc j'ai dit non, c'est non. Tu te calmes. Je vais en profiter. Bon, déjà, je vais ranger ça. Je mets jamais de boucle d'oreille. Voilà, je voulais pour la vidéo. Où est-ce que je les ai eus? Pretty Little Things, il me semble-t-il. Vu que j'ai vite, vite, vite tourné, j'ai enchaîné sur le montage. Je vais débrancher tout ça. Je déteste laisser les projos allumés. On va enlever ça. Ah oui, au fait. Je sais pas si je le laisse. Je me suis même pas rendu compte au montage si ça faisait bien ou pas. Avec le plaid. Hop, on va mettre ça là. J'ai quand même bien envie d'essayer avec, comme je vous avais dit l'autre fois, avec des LED Philips pour faire un petit fond bleu. Un peu ambiance, mais il faut que je trouve un meuble pour le coller. Je vais voir. Est-ce que j'en mets un deuxième tableau? Ici. Arrête de me suivre! Non! C'était mon goûter. Ben, il faut ranger. Ça, c'est ce que je vais devoir jeter, les cartons. Est-ce qu'on doit retourner à la déchetterie? Encore. J'ai reçu plein de nouveaux paquets. Ça va, bébé? J'ai l'impression qu'on s'est pas vu beaucoup aujourd'hui. J'ai enchaîné les tournages, les montages. T'as passé un bon dimanche? Il parle à quelle heure, au fait, le président? 20h. C'est 20h? Ok. Je crois. On va mettre. Bah, il est quelle heure? 19h20. 19h30, ok, et ben je vais allumer. Là, attendez, j'ai reçu ça, je sais plus si je vous l'avais dit, Linebox, mais comme j'ai arrêté, je vous l'ai dit. Bon, là, je vais voir, soit je vous la montre là, soit je ferai la vidéo. Alors, moi je vais me faire, je dis moi parce que chérie, il s'est fait un hot dog avec le reste du pain de ce matin. Deux œufs durs, de la dinde, j'ai vraiment mangé léger. Betterave, des petites bouboules de mozza, et puis, bah forcément, l'huile d'olive, ça sera parfait. Là où j'ai des boules, c'est que là, normalement, on a une glace, bébé. Mais non, faut pas. Vous l'aurez deviné, nous sommes le lendemain matin. Je suis obligée de mettre ça, une barrette, en attendant, ça dépanne. C'est le petit haut que ma fille m'a acheté, mais il est ouvert jusqu'ici, donc c'est juste pas possible. Et l'épingle à nourrir, je crois qu'elle est en bas, il me faut un petit top, mais en attendant, j'ai mis ça. J'ai plusieurs choses à vous dire et une chose à vous montrer également. Déjà, alors, comme je vous ai dit hier, j'ai commencé mon traitement. Enfin, c'est pas un traitement, c'est la pilule, mais c'est pas la pilule habituelle. C'est pas une pilule que tu arrêtes au début de tes règles et tu as tes règles et tout. Moi, c'est vraiment une pilule en continu. C'est-à-dire que ça va carrément me stopper les règles. Tant que je prends ça, je n'ai plus mes règles. Et donc, ça fait deux prises. Et je peux vous dire que je morfle. J'ai mal au ventre. J'ai l'impression d'avoir des contractions, que je vais accoucher. Je suis pliée en deux. Ça faisait très, très, très longtemps. Je suis pas sujette aux maux de ventre comme ça, moi, ovariens, on va dire. Mais alors là. Je sens qu'il se passe des trucs. Bon, en tout cas, si ça peut résoudre mon problème de migraine, c'est surtout pour ça que je le prenais. Je voulais faire un petit test avec vous, en fait, je vous explique. Mais c'est quelque chose que j'utiliserai juste quand je fais des face cam, comme par exemple ma vidéo d'hier, qui d'ailleurs semble vous avoir pas mal plu sur candidat télé-réalité, influenceur, bref. J'ai un micro comme ça, c'est un micro qui se clipse sur les portables. Et je voudrais voir, je voudrais que vous me disiez si vous trouvez que le son est de meilleure qualité. Et on va l'essayer tout de suite en direct. Ok? Donc attendez, j'installe tout et je vous reprends. Donc là, il faut que vous ayez en tête, commencer sans le micro. Et là, normalement, ça y est. Donc c'est parti, attends.
C'est vrai que l'avantage des micros, c'est que si tu es près, si tu es très loin, on t'entend de la même façon, quoi. Voyez, hop, je m'éloigne encore. Mais le truc, c'est que au montage, je sais pas, ça fait un son un peu étouffé. Il y a ce manque de proximité. Donc, j'attends de vous que vous me disiez si vous aimez bien comme ça. Donc, imaginez-vous quand je ferai une face cam ou ce genre de truc, si ça vous plaît ou pas. Donc, surtout, dites-moi ça en commentaire. Donc, je l'enlève et je vais vous montrer ceci. Je vous en avais parlé, que j'ai reçu hier, la Linebox. Ça va être assez rapide. Voilà. Donc là, le micro est enlevé. Je pense que vous verrez la différence. Alors, ce mois-ci, moi, j'ai déjà regardé. Hein. C'est un petit bijou. Pochon, comme ça. Alors, il n'y a rien écrit hein, dessus. C'est un collier. C'est un collier doré. De la marque Côme. C-O, accent circonflexe, M-E. C'est un petit, comme un petit symbole aztèque avec une pierre bleue turquoise. Je ne sais pas si ça fait bien le focus. Enfin, voilà, un peu le collier. Il est très joli. Très, très joli. Qu'est-ce qu'il me dit sur ce collier? Si jamais... Alors déjà, il coûte 55 euros. C'est le collier Côme Seychelles. Bah ouais, Seychelles, parce que par rapport au turquoise, je suppose. Tendance de cet été, il viendra habiller toutes vos tenues estivales pour un look chic et donc décontracté. Sa jolie pierre turquoise viendra pimper votre bronzage doré. Ça reste à voir. Hein. Une pièce à porter seule ou... ouais, c'est vrai, avec une accumulation, donc plus long, plus court. Voilà. Donc, je vais terminer maintenant ce vlog sur un jour et demi, on va dire. Je suis désolée, hein, c'est pas droit, mais hein, on a fait ça rapidement. Et on se retrouve demain, soit pour un vlog ou peut-être une face cam. Une face cam, vous verrez. Vous verrez. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Salut!